Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans une tradition relative à la fin des temps, sayatir al-nas sanawatu khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha al-sadiq wa yu'tamannu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Viendra une époque de tromperie où l'on traitera de véridique le menteur, et l'on traitera de menteur le véridique. On fera confiance au traître et l'on trahira les personnes dignes de confiance. N'est-ce pas l'époque dans laquelle on se trouve ? N'est-ce pas l'époque dans laquelle on se trouve où la plupart des musulmans sont devenus d'excellents réceptacles aux démons ? À la base, notre prochain est censé être un appui pour nous, une protection, un bouclier. Mais malheureusement, la plupart des musulmans de nos jours sont devenus d'excellents réceptacles à notre Qarin. Et notre Qarin, qu'est-ce qu'il veut ? Nous détruire. Et il ne peut pas nous détruire directement. Il a besoin d'un corps, d'un réceptacle. Et le meilleur des réceptacles pour lui, c'est le traître. Et dans quel cas de figure le Qarin peut rentrer chez un proche pour faire de lui un traître ? C'est quand notre proche soit doute de nous ou soit éprouve des sentiments démoniaques à notre égard, comme l'orgueil ou la jalousie. Et comme ils sont nombreux, wallahi, comme ils sont nombreux, ces musulmans qui, de nos jours, au lieu d'être un appui pour nous, sont devenus des traîtres à la solde du diable. Ils n'attendent que notre dos tourné pour nous planter un couteau. Subhanallah. Et aujourd'hui, j'ai envie de remercier les traîtres. Pourquoi j'ai envie de remercier les traîtres ? Car grâce à eux, j'ai appris que dorénavant, il ne faut tisser un lien qu'à la condition qu'il soit solide. Car si le lien que vous tissez avec un proche n'est pas solide, votre Qarin, si vous êtes très engagé, va exploiter la brèche relationnelle. Effectivement, quand vous êtes très engagé, votre Qarin est coriace. Et il va exploiter toute brèche, particulièrement les brèches relationnelles, quand vous tissez des liens avec des personnes fragiles, susceptibles de retourner leur veste quand ils doutent, ou lorsqu'après une rupture, ils s'associent avec des ennemis. Ainsi, grâce aux traîtres, j'ai appris que dorénavant, il ne faut tisser qu'un lien solide ou rien du tout. Il n'y a pas de juste milieu à ce niveau-là. C'est soit le lien est solide, soit rien, rien, rien. Et qu'est-ce qu'un lien solide ? Un lien solide, c'est lorsque tu es prêt à sacrifier ta vie pour ton prochain, pour ton prochain, pour ton prochain. Comme je m'impatiente de retrouver mes frères.